Hey yo les crous, c'est Toshikro et bienvenue pour la 6ème partie de Resident Evil 7. On s'est arrêté à la 5ème partie à la fin, vous vous en souvenez, je pense, ça marque, ce genre d'événement, ça marque. Je m'étais arrêté juste après le boss parce que j'ai eu beaucoup de mal à le supporter, je sais pas, j'aimais pas sa façon d'être. En globalité, je n'aimais pas ce boss, il me faisait très peur, donc j'ai stoppé. Je suis retourné à la caravane, j'ai sauvegardé et on reprend directement à partir de ce moment. Donc nous avons ici récupéré la lanterne, donc qui va nous permettre d'ouvrir la porte qu'on avait vue dans la 5ème partie. On devait poser une 2ème lanterne pour que ça fasse un petit équilibre. On y va. Qu'est-ce que... Alors, le piano vient de jouer tout seul, what the fuck, qu'est-ce qui... Je sais pas, le piano vient de jouer tout seul, on va pas s'en inquiéter. On est devant la porte, on va... Ah tiens, attends, faut que je shoote là-dedans. Boum, petit secret, merci beaucoup. Et on va donc mettre la lanterne ici. Ce qui va ouvrir la porte. Alors là, on fait très attention. Un crocodile. C'est quoi, c'est une chambre d'enfant, on dirait ? Rien là-dedans. Oh là, il fait extrêmement sombre. J'ai ma lumière qui est en train de bugger en plus. Oh putain, c'était quoi ça? Qui veut jouer à la baballe avec moi? Ah, je déteste ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? My family. Evelyne. Ok, Evelyne. Est-ce que ce serait pas un enfant de la famille Baker? Je sais pas du tout. Attendez. Oh, oh lolo, tu peux pas plus glock. Impossible de faire plus glock que ça. Encore un dessin. J'entends des griffes. Ok, un nounours. J'en ai rien à foutre de ton nounours. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il fait très sombre. Je me sens pas seul. Oh, oh, c'est... Ah! Va te faire enculer, saloperie, va. Putain! Quelque chose ne va pas chez elle. Ah oui, bah j'ai bien remarqué, ouais, mais... Ok, bon. Je pense que c'est totalement flippant ce qui est en train de se passer. C'est même pas je pense, c'est même sûr. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi cet endroit là? Putain, ma lampe. Non. Ne t'approche pas. Non. Ne t'approche pas. De la balle? Tiens, ça a pris. Mais qui a dit ça? C'est qui, Evelyne? J'ai loupé un épisode ou... Ou alors on ne sait peut-être pas encore. Oh lolo. Oh! Ici. Ok. Un petit passage. What? C'est quoi ça? Bras de série D. Ah bon, là? Elle va pas se réveiller. Non, non, te réveille pas. S'il te plaît, te réveille pas. Oh mon dieu. Oh. C'est ça. Ok, donc pour le remède, il faut ce genre de truc. T'es sûr que c'est pas pour nous tuer? C'est pas du tout un remède, ça. C'est un poison, ouais. Ça a pris. Bon, faut que j'arrête de niquer mes balles, moi. On a rien d'autre ici? Non? Bouah, putain, mais je sais pas du tout qui c'est en fait. Evelyne, j'ai dû louper un truc dans le jeu. Oh, merde, il y a eu quelqu'un. Evelyne, c'est toi? Reviens ici. On va sauvegarder. On va ah! Putain d'enfoiré. Non! C'est toi, Evelyne? Est-ce que c'est toi, Evelyne? Réponds! Ok, on l'a eu. Wouh! On se casse de là, les crows. On se tire. Vite! Là, il y aura des trucs, c'est obligé. Ah, on court, on le nique pas. On va pas niquer nos balles, on va juste s'enfuir. Par là, je pense. Ouais, c'est là. Ah, ça passe! Ok.
Je crois que c'est bon. Ouh. Bon, ça en est sorti. Est-ce que le téléphone va ressonner là? Ah! Yes! Je m'en doutais qu'il allait sonner, vous avez vu? Je l'ai senti. Ah. Ouais, je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. Ah, allez. Ah, d'accord. Putain, on va enfin rencontrer Zoé. On va enfin la rencontrer, donc la direction la caravane. J'ai hâte de la rencontrer. Je lui fais pas encore confiance. On saute. Je lui fais pas encore confiance à Zoé. Parce que, comme je disais tout à l'heure, elle fait partie de la famille Baker. Donc, il faut se méfier absolument d'elle. Allons à la caravane. Et là, vous imaginez, j'ouvre la porte, elle me saute à la gueule et elle me bouffe. Ah, attendez, le téléphone sonne. Zoé? Elle est pas là. Foutage de gueule, Zoé, c'est quoi ce faux plan, là? Explique-moi. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Ouh, le petit Laisse con. Laisse-les partir. Qu'est-ce que tu leur veux? Non. C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé. Maintenant, si tu veux la tête, n'hésite pas à venir la chercher. Je te la donnerai. Mais à condition que tu participes à une petite... activité non. Que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? T'inquiète pas, elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre. Oh, bon, allez, sois pas si agressif. Y'a quoi dans le frigo? Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo. Bon, on a clairement affaire à un psychopathe, là, avec Rose, hein. Je pense... on l'a remarqué, on va, avant d'ouvrir le frigo, on va sauvegarder. On sait jamais ce qui peut nous attendre dans le frigo. Ok, on vient de sauvegarder. On va ouvrir ce putain de frigo. Ah, il y a une note, attendez. Le flic t'attend dans la salle de dissection, tocard. Non, faut retourner à la salle de dissection, tu te fous de ma gueule. C'est quoi cette tête là? C'est la tête du flic? Je crois que c'est la tête du flic qui a muté. Ok, bon, bah ils sont à la salle de dissection, donc on va y aller, les crozes. On va y aller. C'est parti. Oh putain, faut retourner dans le manoir. Oh, faut retourner dans la ferme. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allons-y. Je sais même plus comment on y va, cette putain de salle de dissection. Ah, il y a une clé corbeau. Il y a une clé corbeau ici. On va y aller. On va y aller. Voilà, ici. Parce qu'il faut savoir qu'on a réussi à choper la clé corbeau. Et qu'il y a également des portes corbeaux dans la ferme. Donc, allons-y. Allez, j'espère qu'il y a un truc cool. Hop! Let's go. Oh! C'est quoi ce truc? Lance-grenade! Mais t'es sérieux? Oh, des munitions! Oh oui! Poudre à canon. Wow, il y a énormément de trucs là. Alors attendez. Bon, je viens de faire un peu le vide dans l'inventaire. On va prendre ce putain de lance-grenade. C'est complètement ouf. On a un lance-grenade, les crozes. Nous avons un lance-grenade. Avec deux grenades à l'intérieur. Oh là 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 là. Le massacre qu'on va faire avec ça, c'est une putain de boucherie. Merci, Cro, en tout cas. Merci beaucoup, Cro à deux têtes. Je t'en suis très 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 reconnaissant. Oh là, c'est génial. Bon, du coup, on va le garder pour vraiment les gros boss ou les gros trucs vraiment terrifiants. Pour leur exploser la gueule. Cool. Direction la salle de dissection. Alors, juste avant de descendre ici, je vais sauvegarder. Je sauvegarde beaucoup, je sais, mais j'ai... je prends mes précautions, les crozes. Voilà, là, on est pas mal. C'est parti. Allons à cette salle de dissection. Putain, je sais pas ce qui va nous attendre. En tout cas, on a un lance-grenade, donc je me sens vraiment safe. Même si je devrais peut-être pas l'être. Mais je le suis. On va essayer de passer par là. Je pense que c'est un raccourci.
Alors, il fait beaucoup plus sombre que... Salle de dissection. Ouais, elle est par là. On va se taper des trucs horribles, je le sens. Ma main coupée. Attention, 3, 2, 1. Ok, je vais me couper la main en fin de vidéo. Ah ! Putain de merde, mamie, non ! J'ai foiré mon comptage de 3, 2, 1. J'aurais dit ça 3 secondes plus tard, j'aurais pas eu à me couper la main. Mamie, mais qu'est-ce que tu fous là? Il fait froid ici, regarde, il y a de la pollution et tout, là. Tu vas mourir, allez, je te pousse. Je vais te ramener dans ta chambre et tout va bien se passer. À moins que tu veuilles un coup de lance-grenade dans la gueule, c'est toi qui vois. Au choix. Qu'est-ce qu'elle me fait flipper? Reste là, hein. Reste là, mamie. Ok, fais pas la conne. Ok, donc on est dans la salle de dissection. Nous y sommes. Le flic n'est plus là, bien entendu. Le flic n'est plus accroché au mur. Alors, j'entends des trucs chelous. Je pense que... Attendez aussi! What? Oh putain! Je l'ai tué? Ouais, je l'ai tué. C'est bon, ça bouge plus. Je sais pas comment il a fait pour me toucher, mais il m'a touché, cet enfoiré. Putain, le con! Bon, je pense pas que c'était le flic. Je pense que le flic est bien plus gros que ça. Attendez. Je m'attends au pire, là. Ah, il est là, le flic. Attendez, il est là. Son corps doit être en état de rigor mortis, quoi? Les articulations sont déjà raides. Une puanteur douceâtre se dégage. Il est déjà en train de pourrir. Avec un petit message. Prouve que t'es un homme, plonge ta main dans la gorge du flic. Ah, non. Mais j'ai pas envie. Ah putain, on va le faire. Allez, on le fait. Ah putain. Ah non. Oh, la clé. La clé serpent. Merci. Merci, flic. Yes. Non 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 non. On a la clé scorpion, la clé corbeau et la clé serpent. On les a toutes, donc on va pouvoir ouvrir toutes les portes du manoir, les Crows. Et ça, c'est juste énorme. Ah! Ça me fait trop flipper, ces saloperies. Ça avance trop vite. Oh putain. Vite, on remonte. Ouh. Sauvegardons. Oui. Bon alors le bras, on va le mettre dans le coffre parce qu'on n'a pas besoin pour le moment, ça nous laissera un peu de place. Allez, on continue. J'avais vu une porte serpent, je sais plus du tout où elle se trouve. Je sais plus du tout où elle se trouve. Peut-être à l'étage, je pense que c'était à l'étage, ouais. Oh putain, non c'est un boss. Ok, on va juste le contourner, hein. T'es gentil. Putain, il y a des monstres de partout dans la ferme maintenant, c'est... Oh putain. Mais c'est génial les gars. Bah vas-y, invitez-vous à la fête, hein. Alors attends, là, porte serpent. Vite. Allez. Allez. Oh mamie. Mamie, tu vas me sauver la vie. Ferme la porte. Mamie. Oh oui, mamie. J'ai jamais été aussi content de voir un humain dans ma vie. Qu'est-ce, comment tu vas? Vas-y, explique-moi ta vie, tout ça, ça va, oui. Ah, t'es en train d'admirer ton beau mari qui a perdu la vie. Avril 1980, Jack rejoint les marines. Donc qui a perdu la vie. Aux marines, c'est ça? À l'armée. Ça va aller, mamie, t'en retrouveras. Un de perdu, 10 de retrouvé, tu sais. T'en fais pas, hein. Petite herbe, merci beaucoup. On va pas rester là très longtemps. Oh putain, y a un truc en dessous du lit. Non, y a un passage. Y a un passage en dessous du lit. Comment je fais pour bouger le lit? Avec ça, règle l'horloge. Ah, va falloir trouver une heure, c'est ça? Oh putain. La même heure que sur toutes les autres horloges. Ok. Alors. Faut qu'on trouve une horloge. Il faut qu'on trouve... Là, il y a une horloge là-bas. J'aime bien ces petites énigmes là, elles sont vraiment sympas. Alors, l'horloge donne 10h15. Ok, 10h15. Allons-y,
C'est juste énorme, ça. Bon, ça va être un peu long. On y approche, les crows, attention, 10h15. Yes! Ouh, je suis tout excité comme un enfant, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a là-bas. Avant, on va ouvrir cette porte. La carte. Ah non, un schéma d'armes. Oh! Oh, oh, oh! Alors, quoi? Il y a un message derrière? La clé corbeau. Ah oui, mais on l'a, c'est le lance-grenade. On l'a, c'est la pièce qu'on vient d'ouvrir. Donc le lance-grenade, on l'a. Ah, ça fait plaisir. On va encore pouvoir augmenter la place de notre sac. C'est juste parfait, c'est ce qu'il me fallait. Nickel. Une photo. Photo d'un trésor. Oh, je l'avais vu, cette tête. Attends, je l'avais vu, cette tête. Attends, c'était où, ça? J'ai caché quelque chose ici. Trouve-le si tu en es capable. Ah, ça me dit trop quelque chose. Je sais plus où. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore une herbe, parfait, je prends. Une tête flippante, je ne prends pas. Je ne prends pas les têtes flippantes. Bon, il y a que dalle. Bon, mamie est toujours là, ça me rassure. Et écoutez, Croze, ben descendons là-dedans. Hein. Attendez, je suis sûr si je me retourne, elle sera plus là. Si, elle est là. Ok, je vais arrêter avec la mamie. À chaque fois, elle me fait peur, c'est bon. On y va. Mamie! Saloperie! Mais quelle salope! Mais quelle salope! Oh putain, donc je suis carrément livré à moi-même là. Je suis complètement livré à moi-même. Alors du coup, on est où là? Je ne sais pas, on est dans le vide. On est dans une nouvelle zone de la ferme. Alors, on va y aller très lentement. Alors. Oh la vache. Ah mon dieu. Ah oui, tu peux le dire, Ethan, là c'est... On atteint le level carte d'accès rouge. Yes! Yes, on a donc récupéré la carte d'accès rouge, il nous manque la carte d'accès bleu. Putain, c'est Glock, c'est quoi en fait? C'est une vache mélangée à des parties humaines. Laisse tomber, j'ai même pas envie de réfléchir en fait. Allez, on va ouvrir cette porte. C'est verrouillé, merde. Ah non, c'est ouvert. Ah, ça va me sauter à la gueule là. Ah, ça va me sauter à la gueule. Non, pas deux. Wow. Oh putain. Je vais où? Faut que je les tue? Ok, faut que je les tue. On va prendre le fusil à pompe. Voilà, et de 1, on va recharger tranquillement. Vas-y, toi, je te laisse approcher. Non, 3! T'es sérieux là? C'est bon. Nice. On a plutôt géré là, et le fusil à pompe est super pratique, hein. Je l'ai pas encore vraiment utilisé dans le jeu, mais putain qu'il est pratique, ce fusil à pompe. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer maintenant, ouais, nickel. Allez, on va remonter. Oh non. Non les gars, non. Oh putain. Ici, clé serpent, tu te dépêches, tu ouvres. C'est parti. Oh, mais c'est joli ici. Attendez, un piano, il est cassé. Putain, je vais pas pouvoir jouer du piano. Découvert, ok. Ferme la porte, s'il te plaît. Ferme-toi. Vas-y. Elle veut pas se fermer, elle. Putain, c'est stylé. C'est quoi cette chambre? Un trophée. Deuxième concours des jeunes ingénieurs, troisième place. On a affaire à un intello, les choses. Un crochet, je prends. Une lampe, je prends. Ah, attendez, il y a un truc à l'intérieur. Ah, oh. Oh. Le petit secret caché dans la lampe, j'adore. J'adore, tout simplement. Le avril. Olivier a arrêté de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. Attends. J'ai pas lu la suite. Ça pue comme pas permis, il y a un drôle de jus qui coule du plafond. À part ça, comme j'ai eu le temps, j'ai encore changé le trophée de la télécommande. Maintenant, il y aura de la lumière, même la nuit. Attends. C'est-à-dire qu'il y a Olivier là-haut? Et qu'il y a du jus qui coule du plafond, mais c'est... Ah, un petit secret. Bon, on va y aller. Allez, let's go. Il va y avoir quoi en haut, là? Olivier? Une cassette! Joyeux anniversaire! Oui!
On va pouvoir la mettre dans le magnétoscope de la caravane. Génial. Fausse hache. Réplique de fusil. What? Il y a tellement de trucs là. Client Jack Baker. Contrat Trevor, hein, période du chantier. Contrat de rénovation, d'accord. Alors attendez, est-ce que j'ai plus de place là? Réplique de fusil. Alors pourquoi on a rechopé une réplique de fusil? Je sais pas, on va le prendre en tout cas, ça va peut-être être utile par la suite. Ah, on va encore avoir une petite énigme. Une petite, oui bien sûr, une petite énigme avec une ombre. Pourquoi pas, on va y aller. Regardez, je vais faire ça en 2-2. Voilà. Eh, on n'est pas bien là? Merde, putain, c'est presque ça. Je l'ai là, hein. Je tiens le bon bout. Hein. Yes! Eh, en 2 secondes! La carte bleue! Oui, la carte bleue! La carte bleue! Allez, vite! Yes, carte d'accès bleue, on l'a. Bon, bon, on a les 2 cartes. On va pouvoir donc ouvrir la porte, retourner à la caravane et lire la cassette du joyeux anniversaire. Ah, ça va peut-être me permettre de prendre ce fusil-là et de pouvoir l'améliorer après, non? Attends. Ah, ça doit être ça à tous les coups. C'est, je pense que c'est ça. Ah, le téléphone. Le téléphone, le téléphone. Zoé. J'arrive, Zoé. Non, ça va pas être Zoé, ça va être le psychopathe. Alors. Hé, hey, mon pote. Souviens-toi. Avec ces 2 cartes d'accès, tu peux entrer à la fête. Sois pas en retard. Ah, j'adore les fêtes. Laisse-moi parler à Mia. Non, non, non. Tu dois être d'abord te pointer. T'as quand même pas oublié où était la fête, pas vrai? Tu peux entrer depuis le jardin. Dépêche-toi, mec. Allez, tout le monde t'attend. Bah écoute, j'arrive. Moi j'adore les fêtes, hein. Quand on m'invite à une fête, j'adore les crozins, hein. Donc je pense que on va prendre du bon temps. En tout cas j'espère, donc la porte se trouve là-bas, regardez. Oh merde. Ok, c'est bon, je t'ai eu. Et ça fait clairement penser à une boîte de nuit, c'est une discothèque le truc, hein. On va clairement rentrer dans une boîte de nuit, regardez. Il y a de la lumière et tout, ça va être totalement énorme. Merde, putain d'enfoiré, va. Ah, j'aime pas ces bestioles. Ok, Croz, on va sauvegarder. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette 6ème partie de Resident Evil 7. Et dans la 7ème, j'ai tellement hâte parce que regardez, on a ici la cassette Joyeux Anniversaire, une cassette vidéo. Il est écrit Joyeux Anniversaire sur l'étiquette. On va pouvoir la lire. Donc, jouer un flashback, ça fait très longtemps, moi j'adore ça. On va pouvoir voir ce qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de le dire. Et ensuite, nous avons donc les 2 cartes pour rentrer à la fête de notre cher ami le psychopathe, et je pense qu'on va bien kiffer. En tout cas, j'ai vraiment hâte de faire cette 7ème partie avec vous les Crozes. Sur ce, eh bien, j'espère que cette 6ème partie vous aura plu et que ce let's play sur Resident Evil 7 vous plaît toujours autant les Crozes. Merci aux tipeurs de votre soutien et de votre générosité, je le dis encore, merci à vous, c'est très gentil de votre part. On se retrouve très bientôt les Crozes pour la 7ème partie, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao.